Ici, ceux qui reviendront bientôt travailler après leurs vacances d'été feront connaissance avec des bureaux très différents. Jusqu'à présent, les masques n'étaient que recommandés sur les lieux de travail, mais dès début septembre, le port du masque facial sera obligatoire dans tous les bureaux ouverts, partagés, ainsi que dans les espaces ouverts de l'entreprise. Cela inclut les couloirs, les salles de réunion, les vestiaires, les espaces de réception, essentiellement des espaces où on peut croiser un collègue. Fournir des masques relèvera de la responsabilité de l'employeur, et c'était l'une des principales préoccupations exprimées par les syndicats avant leur réunion avec les ministres mardi matin. Le syndicat Force ouvrière voulait savoir qui, du gouvernement, de l'employeur ou du salarié, devrait payer la note. Quant au MEDEF, syndicat patronal, il craignait que les ministres n'introduisent ce qu'il appelle des mesures trop coercitives. Il existe une aide financière du gouvernement pour les entreprises de moins de 50 employés qui peuvent obtenir une subvention pour aider à payer les équipements de protection individuelle. Les experts français en santé publique avaient conseillé au gouvernement de promulguer une politique de masque au travail, la France ayant enregistré plus de 6 000 nouveaux cas de coronavirus au cours du week-end et tenant compte des craintes croissantes que les milliers de Français actuellement en vacances dans l'Hexagone pourraient à leur retour propager le coronavirus sur les lieux de travail et dans les écoles. Depuis la fin du confinement, mi-mai, le port du masque facial est obligatoire en France dans les transports en commun. Depuis lors, le gouvernement a progressivement élargi les domaines de la vie quotidienne pour lesquels l'utilisation du masque est obligatoire. Il doit maintenant être porté dans les zones intérieures des cafés, des restaurants, les marchés couverts, les banques, ainsi que tous les commerces et centres commerciaux. Plus récemment, le port du masque facial a été rendu obligatoire dans de nombreux espaces publics extérieurs, des villes de Lille à la frontière belge, à La Rochelle sur la côte atlantique, et dans certains quartiers très fréquentés de Paris, jusqu'aux rues animées de Marseille, deuxième plus grande ville du pays. Désormais, les bureaux partagés et tous les espaces de travail où on peut croiser d'autres collègues sont ajoutés à la liste. Le gouvernement a cependant précisé qu'il soutenait toujours les entreprises qui souhaitaient continuer à laisser leur personnel travailler à domicile.